Dans un communiqué de presse tout récent en provenance d'Écarie éditeur, on mentionnait « C'est un événement rare au Québec qu'un professeur d'université produise un manuel aussi volumineux, aussi documenté et constituant un outil de base complet dans une discipline donnée. » Et ici, on parlait du manuel de génétique générale, intitulé « Génétique générale », publié par le professeur Jean Baudry, professeur à la retraite, professeur titulaire du département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Professeur Baudry, dans la première partie de notre entrevue, vous nous avez décrit un peu les circonstances qui ont amené l'apparition de ce bouquin magnifique en génétique. Pourriez-vous nous rappeler un peu les raisons qui ont fait que, au tout début de votre bouquin, vous dédiez ce livre à ceux qui m'ont fait aimer l'étude de la génétique? J'aimerais vous entendre parler davantage sur ceux-là qui vous ont fait aimer la génétique et pourquoi. Bien, je pense que c'était tous les trois, c'est-à-dire le professeur Lou-Marie de l'Institut agricole d'Oka, M. L.C. Raymond du département d'agronomie de McDonald College, de l'Université McGill, à Sainte-Anne-de-Bellevue, et le professeur Brink, du département de génétique de l'Université du Wisconsin. C'était tous les trois des hommes qui se consacraient sérieusement à leur science et à leurs étudiants. Le père Lou-Marie est reconnu par de nombreux anciens étudiants de l'Institut agricole d'Oka et qui sont devenus les uns biologistes, les autres agronomes et ainsi de suite, comme étant un stimulateur de vocation. C'est un homme qui a suscité de l'enthousiasme chez les étudiants et qui a fait sa marque dans le milieu agronomique pour cette raison-là. Quant au professeur Raymond, eh bien, ce qui m'a impressionné chez lui, c'est d'une part ses réalisations. Il a été le producteur d'un bon nombre de variétés de plantes agricoles qui ont été utilisées dans l'agriculture du Québec durant de nombreuses années. Et c'est lui qui, en grande partie, a bâti, après M. Somerby, le département d'agronomie du Collège McDonald. Et au point qu'on a donné son nom au bâtiment occupé par le département d'agronomie sur le campus du Collège McDonald. Et ensuite, c'était un homme d'une personnalité très attachante, bien qu'il était très froid de premier abord. Lorsqu'on le connaissait, eh bien, on ne pouvait qu'estimer un homme aussi sérieux, aussi réaliste et aussi dévoué pour son personnel et ses étudiants. Et pour ce qui est de M. Brink, eh bien, c'est une très grande figure. Vers l'âge de 50-55 ans, on l'a nommé à l'Académie nationale des sciences des États-Unis, et seuls les très grands scientifiques américains sont nommés membres de cette association-là. Et c'est véritablement lui qui a bâti le très grand département de génétique de l'Université du Wisconsin, qui est aujourd'hui lancé en génétique moléculaire, et qui, à l'époque où j'ai fait mes études là, naturellement, c'était la période prémoléculaire, c'est 45-48. Hein, alors, on venait juste de découvrir que l'ADN était la substance de l'hérédité lorsque je suis arrivé là. Et
Alors, mais Brink a attiré, cela a choisi, sélectionné des individus qui sont devenus membres du personnel du département de génétique de l'Université du Wisconsin et qui ont contribué à faire de ce département un très grand département. Et lui-même a fait de très belles recherches sur les éléments mobiles, en même temps que McClintock. Tous les deux travaillaient ensemble. Et s'estimaient beaucoup aussi. Je me souviens, alors que Barbara McClintock était critiquée assez généralement aux États-Unis, eh bien, Brink un jour m'avait dit « c'est un génie, cette femme-là ». Alors, il avait reconnu la qualité des travaux qu'elle faisait, même si presque personne, sauf quelques individus comme lui, les comprenait, ces travaux-là, parce que lui travaillait dans le même domaine. D'ailleurs, si je comprends bien, on lui a attribué tout récemment le prix Nobel. En 1983, on lui a attribué un prix Nobel, pour ses magnifiques travaux sur les éléments mobiles. Oui. Et vous êtes revenu au Québec, à l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal, c'est ça. Dans quelles circonstances? En terminant mes études, je me cherchais du travail. Puis heureusement, c'était beaucoup plus facile dans ce temps-là de trouver du travail. Et j'ai eu le bonheur de trouver du travail facilement dans mon milieu, où je pouvais travailler dans la ville où habitaient les miens et dans ma langue. Mmh. Et puis avec un poste qui me permettait de faire et de la recherche et de l'enseignement, c'est ce que je voulais. Alors, j'ai eu une grande chance en 1950, et c'est là que ma carrière professionnelle a véritablement commencé. Hein. Mais au Québec, à l'époque, il y avait relativement peu de généticiens francophones. Il y avait eu Jacques Rousseau, qui était un botaniste plutôt qu'un généticien, qui avait donné des cours de génétique à l'Institut botanique, et puis qui avait publié un petit manuel de génétique, Notions élémentaires de génétique, qui a rendu service durant de nombreuses années. Et ensuite, il y avait Auré Blain, qui avait fait ses études de doctorat à McGill avec Hoskins, et qui était généticien attaché au jardin botanique de la ville de Montréal, et qui, avant moi, venait à l'Université de Montréal donner des cours à la leçon. Après le professeur Dugal, qui avait enseigné la génétique à l'Université de Montréal, non pas parce qu'il était généticien, il était plutôt physiologiste, mais il fallait que quelqu'un enseigne la génétique. Après le départ de Dugal, Auré Blain est venu donner des cours, et ensuite c'est moi qui ai pris la relève, et là j'ai organisé un cours de génétique avec travaux pratiques. Hein. Ah ouais. Et puis quelques années plus tard, j'ai fait la même chose en cytologie. Et vous avez évidemment donné ce cours à des milliers d'étudiants sur plusieurs générations. Ah oui, milliers d'étudiants. Ah oui, quand j'ai commencé l'enseignement de la génétique, eh bien il y avait seulement quelques étudiants en biologie. Il y en avait 4, 5, 6, 7, 8, quelque chose comme ça. Alors, dans un cours assez étoffé de génétique, je m'adressais à ce groupe-là. Mais ensuite, j'avais un grand groupe, 125, 150, 175 étudiants, ça variait avec les années, d'étudiants qui suivaient le PCB, physique, chimie et biologie. Et puis, j'étais responsable de l'enseignement de la génétique et de la cytologie à ces étudiants-là. Alors, c'était des étudiants qui se destinaient à la médecine, à la chirurgie dentaire, à l'optométrie, et puis, c'est à peu près ça, je pense. Mais avec les années, ces enseignements-là ont été transférés dans la faculté qui nous envoyait ces étudiants-là, mais c'est le nombre des étudiants en biologie qui a commencé à augmenter. Alors, il est passé à 20, 30, 50, 100, 150. Une année, j'ai eu 338 étudiants dans ma classe. Ah, mon Dieu.
Un grand amphithéâtre complètement plein. Ah, et ensuite, j'ai eu les groupes des cours télévisés. Un administrateur de Radio-Canada m'a dit un jour qu'à certains cours télévisés, des sondages avaient établi qu'il y avait plus de 10 000 auditeurs. Monsieur Baudry, quelles sont les raisons qui vous ont fait vous diriger en génétique plutôt qu'en une autre discipline? Vous savez, quand j'ai commencé mes études en sciences, la science que je voulais véritablement étudier, c'était la botanique. Et je voulais aller étudier avec le frère Marie-Victorin à l'Institut botanique. Or, je n'avais pas l'argent requis pour m'inscrire à l'Université de Montréal. Et je me suis orienté vers l'Institut agricole d'Oka pour faire des études en agronomie, sachant que là, j'étudierais la botanique et aussi que les frais d'inscription étaient pratiquement nuls. Hein. C'était une quarantaine de dollars par semestre ou par année, je pense. Alors, c'est là que je me suis inscrit à l'Institut agricole d'Oka. Et puis, j'ai étudié la botanique avec un professeur à mon goût, le père Loumarie. Et j'ai connu la génétique, parce que j'ai suivi un cours de génétique du père Loumarie. Et là, tout en gardant pour la botanique une affection qui ne s'est jamais... qui n'a jamais failli. J'ai décidé de m'orienter vers la génétique parce que je trouvais que c'était une science merveilleusement structurée, hein, et qui était à la base de tout ce qu'il y a de phénomènes biologiques. C'est une science véritablement passionnante et je ne l'ai jamais regrettée. D'ailleurs, on le sent bien dans votre livre, à considérer le nombre de chapitres très variés qui sont consacrés. On voit immédiatement toute l'importance que ça a dans tous les domaines. J'aimerais vous demander, quels sont d'après vous les grands généticiens, là, ceux que vous avez affectionnés particulièrement? D'abord, je pense qu'il faut mentionner Mendel, hein, pas tout simplement parce que c'est le père de la génétique, parce que c'est lui qui a découvert les lois fondamentales de l'hérédité, mais parce que Mendel, c'est un génie. Et c'est un homme d'une très grande stature. Alors que tout le monde était embourbé dans l'évolution et dans l'hérédité, qu'on ne comprenait rien. Lui, avec une sorte d'esprit, de mentalité, de philosophie bien personnelle, a réussi à mettre de l'ordre au tout début, c'est-à-dire dans la conception des expériences qu'il a faites, dans le choix de son matériel, et puis tout ça, ça l'a conduit comme une sorte de mur, hein, et une sorte de couloir. Ça l'a conduit vers la découverte des lois de l'hérédité. Alors, Mendel,